Alors moi, je tiens à rectifier à quelle heure on a fini la bataille des couples dans un bon truc, parce que à savoir quand même qu'après la bataille des couples, il y a eu une énorme crise qui a fait quand même que pendant 3 mois, ça a été très chaud. Dû au tournage, au fait que non, mais ça nous a affecté. Ça c'est l'après en fait. Ben oui, mais... Non, mais ça c'est je pense c'est pareil pas pour tout le monde. Génial, genre. C'est-à-dire ça a eu un impact sur notre couple. Ben déjà en fait, moi personnellement, c'est un impact sur moi et ensuite du coup forcément sur le couple aussi. Mais... Quand tu rentres de tournage, vous êtes à... on est à 14, enfin on était à 20, ou je sais pas combien on était dans la villa, on est à 20 dans une villa. Tu rentres chez toi, t'es à peu près tout seul. Enfin, si, en fait, tu te sens tout seul, tu te sens. Enfin, t'as pas tout cette. Tous ces caméras et tout. Enfin, moi, après, c'est ma première expérience, je dis ce que je pense. Oui, tu peux ne pas être d'accord avec moi. D'accord, mais voilà. Je joue juste des sourcils. Ben, t'as pas besoin de juger des sourcils. De mais moi, personnellement, ça a été très dur pour moi. Et après, pour toi, si ça a été, un peu plus simple, excuse-moi. Moi, excuse-moi d'être fragile et excuse-moi d'être faible. Ben non, parce que t'as dit, Luc, que ça avait été très compliqué. T'as dit que ça avait été très compliqué, tu m'as fait des gros yeux. En gros, genre, moi, j'ai dit que ça avait été très compliqué l'après, parce que justement, pour moi, ben, de ce qu'il m'avait expliqué, mais apparemment, ben, on n'a pas dû bien se comprendre. Mais en gros, il n'était pas bien vis-à-vis de l'image, de ce qu'il avait vécu là-bas au niveau de la stratégie, où il avait senti justement qu'il n'avait pas pu tout montrer. Ouais. Voilà, il avait beaucoup de regrets. Sauf qu'en fait, ses regrets se sont transformés en mini-dépression, dans le sens où il s'est un petit peu coupé du truc, il avait plus trop envie de sortir de chez lui, moi-même il voulait plus trop me voir, il me donnait plus de nouvelles. Après lui il part tous les ans fêter Noël dans son pays, donc pendant un mois je le vois pas. Pendant ce mois-là, du coup, le seul moyen qu'on a de communication c'est le téléphone, mais il te dit qu'il veut plus parler par téléphone parce qu'il veut se recentrer. Dur, très très dur. Et toi t'es là comme une teubée, tu viens de te manger une aventure dans la gueule. Moi aussi j'étais quand même assez fatiguée du truc. Là-bas j'ai été malade, à savoir que j'ai été vraiment malade, donc j'étais vraiment pas bien du tout. Mais une fois que le tournage s'est arrêté, en gros, j'ai été très très stressée et du coup, j'étais vraiment pas très bien. J'étais un peu patraque, donc voilà. Non, encore une fois, c'est une question de projection, plus que que j'arrivais pas à me projeter sur l'avenir aussi. Le fait qu'on se soit disputé là-bas après l'aventure. Ah, ça t'a fait une sorte de blocage. En fait, ça m'a pas un bloc. Je sais pas si. Je sais pas comment t'expliquer les choses. Je sais que moi, du coup, ça a été un peu compliqué vu que c'était ma première aventure et j'avais quand même beaucoup de regrets dans la bataille. Et je déteste avoir des regrets dans ma vie. C'est moi le truc que je veux pas, enfin surtout pas avoir, c'est des regrets. Et malheureusement, j'en ai eu dans la bataille. Et voilà, je pense que du coup, elle a payé les pots cassés. Tu lui as fait payer. Elle a payé les pots cassés. Non, mais puis je. Non. Involontairement. Involontairement, oui. En fait, lui, il était tellement mal que forcément, ben, moi, j'empathisais sur ça. Et il s'est renfermé. En fait, moi, c'est là où ça me fait de la peine parce que moi, je suis une personne, à la rigueur, quand je vais mal, vraiment, les personnes proches autour de moi, je les prends avec moi et je prends leur aide. Et lui, il refusait tout soutien de ma part. Et même, je lui ai proposé d'autres solutions, je lui ai proposé plein de choses. Et c'était non, non, non. Et donc, c'est vrai que je me suis sentie super seule et du coup ben moi ça m'a mis dans le down. Après moi j'ai passé de très mauvaises fêtes de famille aussi, donc ça en a rajouté une couche. Donc vraiment c'était un petit peu compliqué, mais après ben on s'en est relevé. Comme tu dis aujourd'hui, moi je suis fière quand tu nous dis que déjà juste à l'écran tu vois qu'on est un couple solide, qu'on tue l'amour, etc. Parce que forcément il y a des difficultés dans tous les couples, et là on en a passé quelques-unes qui étaient quand même pas mal, et aujourd'hui on les a surmontées, donc tant mieux. Mais c'est pour ça qu'une autre télé, avoir vraiment le programme, parce que si c'est quelque chose pour qu'on finisse séparés, moi je vois pas l'intérêt. Enfin, on est très heureux comme ça, on a chacun nos vies, chacun nos métiers, enfin voilà, on peut pas forcément non plus faire carrière dedans, et je pense qu'on n'ira pas mettre à mal notre couple pour une émission de télé. Enfin, en tout cas moi c'est pas ce dont j'ai envie. Amen, 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 merci pour ce discours, vraiment.